voir si ça cuit et aussi en termes de poussière, ce que ça attrape. Savoir s'il faut que. Savoir si. Ouais, il faudra que je mette un coup de ponceuse demain. Ça gonfle ? Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de levure là-dedans. Non, mais à la chaleur. Ah oui, à la chaleur, un petit peu. Théoriquement, non. C'est juste de l'eau et de la farine que j'ai mélangé. Pour voir. Et c'est quand même la première pâte dans le four. Oui, c'est quand même la première pâte dans le four. Donc c'est un moment très important. Ah, ça cuit un petit peu quand même. Ça cuit un petit peu. La petite, la première. Et tu vois, l'avantage de faire des pizzas après avoir fait du pain, oui. C'est que donc on aura chauffé le four déjà. Déjà, il sera réchauffé. Il aura eu ces 3 jours de manière à ce que ça soit plus facile de le porter à température samedi. Samedi, on leur a fait chauffer du pain dedans. Et donc, à peine le pain sorti, ouais. Je referai du feu dedans. Et on laissera des braises comme ça, machin et tout. Et là, tu fais des pizzas. Sauf que les pizzas, du coup, tu la mets et 5 minutes plus tard, elle est cuite. Ouais. C'est vrai que les fours à pizza, normalement, c'est plus petit, mais...